Allô? Alberto? Aide! J'ai passé ces captures! J'arrive! Sans toi, le moulin avancerait toujours debout. Presque comme le feu d'artifice de 80. 80. Même. Oh, je suis vieux. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Arrête tes conneries, Aiden. Je ne suis pas si perdu que ça. Merci du coup de main. Je sais ce qu'ils pensent de moi. Bien sûr que je le sais. Dis-leur qu'on a réussi et que c'est grâce à Vincenzo. Ok? C'est grâce à toi, Alberto. Non. C'est grâce à Vincenzo, ok? Il se fout de lui à cause de moi. Mais maintenant qu'on a réussi ça, ils vont arrêter de se marrer. Tu vois, son père n'est plus un vieux fou ou un raté. Il a forcé les pacificateurs à se retirer. Dis bien que c'était lui. Promets-le-moi. D'accord. C'est bon. Et dis-lui... Dis-lui que... C'est bon. Je lui dirai. Que je suis fier. Je ne lui ai jamais dit... Mon fils, je suis fier de toi. Je lui dirai. Je te le promets. Il me reste un truc à faire avant. T'as pas bien pigé. Il n'y a pas de temps à perdre. On va pouvoir rejoindre le centre maintenant. Ils sont tous trop occupés pour nous remarquer. J'ai promis à Alberto que je transmettrai un message à son fils. Tu veux finir le job ou jouer les bergers à répandre la bonne parole? J'ai une mauvaise nouvelle, Akon. Alberto est mort. Je vois. Mais le métro est vide. On n'aura peut-être plus jamais une occasion comme celle-là. T'es vraiment sûr de toi? Je dois trouver Vincenzo, Akon. J'ai fait une promesse. Une putain de quête de chevalier.
Mike-toi. Tu te souviens de Sarah et de Jenna. Retrouve-moi chez elle quand t'auras terminé, si t'es encore en vie. Donc c'est Carl qui les a trahis. Les renégats se prennent pour des durs. Vite fait, bien fait. Ils ont tout nettoyé. Y'a pas eu beaucoup de résistance. Parce que c'est des lâches, je t'ai déjà dit. Et les prisonniers? Au donjon? À moins que tu veuilles te les faire avant. Hé! C'est Chubbs. Ils ont tué Chubbs? On dirait bien. Mais juste lui, je pense. Faut le dire à Anderson. Ouais, mais elle est où? Elle devait être là depuis longtemps. Je vais aller la chercher. J'aurais préféré qu'on me demande pas de m'engager. J'ai un cadavre. Un gars à nous. Je suis le seul à voir ça ou quoi? T'as une assurance vie, j'espère. Prêt à mourir? Prêt à danser? À l'attaque! Je pensais que c'était terminé, mec. Je peux pas croire que Carl nous ait trahis. Putain, pèlerin. Au début, j'ai cru que tu nous avais balancés.
Mais Carl... Sans lui, les pacificateurs n'auraient pas attaqué. Mais il a fui juste après l'explosion. Il y en a d'autres en haut. Ok, je vais y aller. Vous, vous partez. J'espère que les enfants vont bien. Ça fait des semaines que je les ai pas vus. On a reçu des ordres? Anderson n'est toujours pas là? Je poserai pas la question si c'était le cas. Détends-toi ou tu vas nous faire un AVC. La dernière fois que j'échange mon poste avec Perez. Le boucher est notre pire ennemi. C'est lui qui est derrière les bombardements du lundi noir qui ont causé plus de 2 millions de morts. Aucune menace idente. On dirait qu'on... Salut. Aiden. N'ayez pas peur, on est en sécurité maintenant. Merci. Salut, Sophie. Où est Vincenzo? Aiden, attention! Aiden recevra une belle récompense. Ce type valait même pas qu'on lui pisse à l'arrêt. Debout, Aiden. Merci, mon pote. Maintenant, on est quitte. C'est pas encore terminé. Aiden! Aiden! Sors de là, gros lâche! Viens te battre! Tu ferais bien de te tirer, Anderson. C'est le territoire du bazar. Dis à Aitor qu'il est encore temps d'arrêter. Pourquoi il ferait ça? On a le dessus. T'es plus con que ce que je croyais. Descends et viens te battre. Et arrête un peu de te cacher derrière tes petits potes du bazar. Aiden, non! Il y a une tuile. Testament est rédigé. Crève, trou du cul. Je vais te tuer et cramer cet endroit. Aiden,
On nous signale que les hommes d'Aitor se retirent. Le plan a marché. On leur a coupé le courant et les infectés les ont laminés. Ils n'ont aucune chance sans eux. Aitor a retiré ses hommes. Ils sont dans les tunnels du métro. On n'atteindra pas le centre par là. Karl nous a trahis. C'est lui qui est allé voir les pacificateurs et qui les a prévenus. Il a prétendu vouloir éviter un bain de sang, mais il a aggravé la situation. Mais maintenant, je dirige le bazar. Et je promets, nous vaincrons Aitor. Et je vous emmènerai à la boucle centrale. Qui dirige le bazar? Pour Sophie! Tu sais combien de pacificateurs il faut pour changer une ampoule? Zéro! Parce qu'ils sont trop morts pour changer quoi que ce soit! Alberto est mort. Oh. Joue pas le rabat-joie, Aiden. Ouais. Je suis sérieux. Il est mort en détruisant le moulin avant. Comment c'est arrivé? On a suivi le plan de Vincenzo, mais... il a fallu qu'Alberto y aille à sa place. Il s'est sacrifié pour faire sauter le moulin avant. Putain. Pour Alberto! Pour Alberto. Alors, où est Vincenzo? Il est dehors. Va voir. Vincenzo. On a réussi, Aiden. Mon père, il a vraiment réussi. Ton père voulait que je te dise qu'il a toujours été fier de toi. Très fier. Quoi? Pourquoi tu me racontes ça? Et pas lui? Il est mort, Vincenzo. Mort pour le bazar. Est-ce qu'il a souffert au moment de mourir? Non, il souriait. En pensant à toi, parce qu'il a pu mettre en œuvre ton plan. Merci d'avoir été à ses côtés, Aiden. Ton père était vraiment cool, Vincenzo. Ouais, Alberto était pas mal. Un super artisan. Pour un raté, tu veux dire. Un nul. C'est ce que tu disais. S'il y avait plus de types comme Alberto, les pacificateurs seraient partis depuis longtemps. Allez! Va voir Vincenzo. Tout de suite! T'as fait un travail impressionnant, Aiden. On battra les pacificateurs et on t'aidera à atteindre le centre. T'es l'un des nôtres maintenant, mon frère. Tu fais partie de la famille du bazar. Merci, Barney. Bonne chance. Bonne chance, pèlerin. Hé, hey, Hakon. T'es où? Je t'attends chez les filles. Tu ferais bien de te manier. Le passage vers le centre, il est bloqué. J'ai une autre idée. Vite, viens. On manque déjà de temps. Ok, j'arrive. Thank you.
Akon. Ah, te voilà enfin. En route. Quand Jana a appris que tu venais, elle a pris Sarah et s'est tirée. On dirait qu'elle tombe pas trop à la bonne. Où est-ce qu'on est ? Walt, cette merde ! Du calme, laisse-moi voir. Laisse-moi regarder ça. Merde. Attends. Montre-moi, je vais t'aider. Tu vas t'en tirer, détends-toi. C'est quoi ça ? La blessure du Lazare ? Alors c'est toi qui as tué Lucas. Sans ce poids américain, il aura fallu que quelques secondes pour finir le boulot. Ah, même s'il était plus fort. Qu'est-ce que tu racontes, putain ? Je vais pas dire le contraire. Alors t'as découpé ce tatouage ? Et tu l'as collé sur Barnett. Waltz, c'est lui qui a donné l'ordre. Tu bosses avec Waltz et tu m'as rien dit ? Espèce de sac à merde ! Non, t'as pas bien pigé. Waltz m'aurait tué comme il a tué Dylan. Et tous ceux qui le contredisent, il fallait que je me barre d'ici. Je pouvais pas te le dire. Pourquoi ? Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé. C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit. Et si tu découvrais quelque chose à propos de ta sœur, Waltz va te tuer. Où est-ce qu'il est ? Où est Waltz ? Je suis censé le retrouver sur l'usine de voiture, dans le tunnel du GRE. Je suis mort ici, tu me piches, putain ! Ils vont me buter. Tu me laisses ? Tu me laisses maintenant ? Je devrais t'abandonner après ce que t'as fait. Et pourquoi pas ? Je vais d'abord retrouver ce Snake. Vraiment, tu ferais ça pour moi ? Une vie pour une vie. Après ça, je veux plus te revoir. Non, j'ai rien. Sers-toi de tes jumelles. La ferme. J'en ai marre de tes conseils de grand sage. Je sais, j'ai déconné. Et on en reste là. Les vis vont voler dans tous les sens. Trouve un coin où te mettre à l'abri. Dis-moi un truc que je sais pas déjà, Conne.